Donc, nous allons nous pencher sur le fil mousse numéro 80 de chez Mercerie Extra. Alors, vous voyez, il est complètement plus épais qu'un fil traditionnel. Donc, je vous l'ai mis à côté d'ailleurs. Donc, voilà. Alors, on va faire le premier test avec une seule bobine de fil mousse numéro 80. Donc, tout d'abord, nous retirons donc l'aiguille de gauche pour pouvoir faire le rouloté à la surjeteuse. Puis ensuite, je mets ma bobine de fil dans le boucleur au coin. Donc voilà, je couds et voilà le résultat. Donc on voit bien que c'est propre, c'est net. Donc deuxième test avec deux bobines cette fois-ci de fil mousse numéro 80. Donc je les mets dans les deux boucleurs. Donc voilà, beaucoup plus épais, beaucoup plus couvrant. Voilà le résultat, vous voyez, c'est nettement plus couvrant, c'est plus joli. C'est plus joli. Donc troisième test avec une bobine de fil mousse traditionnelle, vous savez, la plus fine en fait. Donc voilà, je réalise le test. Donc vous voyez, c'est beaucoup beaucoup plus fin. Donc vous avez les trois résultats. Donc on voit nettement la différence. Donc je vais passer à la mise en pratique. Ici je veux faire des volants. Donc ici je réalise une nouvelle colombine. Donc du coup j'ai deux volants à réaliser. Donc voilà, je fais mes roulotés avec les deux bobines. Les deux bobines de fil mousse. Voilà, c'est très très joli. Donc maintenant, je vais réaliser mes surjets avec les deux bobines de fil. Alors vous voyez, le résultat est impeccable et surtout, il est super doux. Donc voilà le résultat du premier petit volant. Vous voyez, c'est très couvrant, c'est très beau. C'est impeccable. Donc là, je vais vous faire la petite démonstration avec cette fois-ci la machine à coudre familiale, en utilisant toujours le même fil mousse numéro 80. Donc ici, je décide de réaliser une broderie, tout simplement, en utilisant le fil mousse comme fil principal. Donc voilà. Donc en fait, tout simplement, c'est très couvrant, c'est hyper doux et c'est joli. Donc je fais un deuxième test, toujours en utilisant le fil mousse en fil principal. Donc cette fois-ci avec un nouveau motif. Donc vous voyez, toujours pareil, c'est très couvrant, donc le motif est bien réalisé et c'est très doux. Donc voilà, j'espère que cette petite démonstration vous a plu. Donc ici, vous avez tous les tests réalisés.